monde, c'est Apollon. Aujourd'hui, on se retrouve par boutique du 29 décembre 2023. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur KTT dans boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Donc, on a toujours les skins Dragon Ball qui sont là, avec leur cosmétique, c'est deux pioches et un planeur. Pareil pour les skins Star Wars, toujours là, donc je vous les passe. Ok, on a le retour de l'experte Décalin, qui était revenue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3 semaines. Elle, par contre, elle, ça va, on va dire. Ça va dépendre du reste de la boutique. Ok, bon, ça, c'est pas que classique pour 3000 V-Bucks si vous n'avez rien. Séparément, c'est 2000 V-Bucks, 800 V-Bucks pour le premier planeur, 800 pour la pioche, 1500 pour le deuxième planeur, et c'est tout. Les camouflages, vous pouvez les avoir que dans le pack aujourd'hui, parce que d'habitude, vous pouvez les avoir en dehors du pack aussi. Assassin Article pour... Article, et pas Article, pour 1200 V-Bucks. Joker avec ses différentes variantes, qui est à 2000 V-Bucks. On continue avec Wukong pour 2000 V-Bucks et Genesis Original pour 800 V-Bucks. On a les skins Pyjama qui sont revenus. Je vais vous les montrer vite fait, mais ils étaient là il y a une semaine pour Noël. Voilà. On a là, pareil, le retour des pains d'épices. C'est pareil, je vous les montre vite fait. Ils étaient aussi... là, il y a moins d'une semaine, eux, séparément, les skins sont à 1500, les pyjamas c'est à 800, je l'ai pas dit, et 500 pour le planeur et la pioche. Et aussi, c'est dommage, franchement, il y a quasiment aucun skin de Noël qui est sorti cette année, c'est vraiment que les mêmes, qu'ils ont changé à peu près toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, c'est vraiment très dommage. Bon, après, ça fait des skins de Noël rares, mais je trouve ça extrêmement dommage. Tout ça pour la pour les Lego. Je suis sûr que c'est que à cause des Lego qui sont pas sortis. Alors qu'il y a d'autres très beaux skins Lego de Noël très intéressants. Du coup, séparément, c'est 800 V-Bucks et 800 V-Bucks pour le planeur aussi et 500 pour la pioche. On a encore ce qu'on rapport avec Rick et Morty qui est là. On a 11 qui est toujours là. Ah, et on a le retour de certains cosmétiques parce qu'on n'a pas tout. Mais de Futurama, on a Philippe Fry, Turanga, Leila et Bender, le Torder, bon, plus Bender, quoi. Séparément, les skins sont tous à 1500 V-Bucks, voilà. Dites-moi lequel des trois est votre préféré, j'avoue que je pense que c'est Bender, avec sa phrase culte pour moi et mon cul, c'est du Teflon. J'adore la sortir. On a toujours le pack The Weeknd avec toutes les musiques, les instruments, pas de nouveau pack. Donc, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 1 sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde.